Et peut-être lui va être champion de France, Éric Casimir. Éric Poujade. Il a un mouvement un petit peu plus simple, je dirais, au niveau de l'acrobatie. Il fait beaucoup de retours à la barre et n'a qu'un seul lâcher de barre. Donc, il faut qu'il soit très motivé, Éric. Alors, aujourd'hui ou non? Il n'a rien remporté pour l'instant. Hein. Je pense qu'il est motivé. Par contre, on va apprécier sa ligne, son élégance, son style. Le chef de barre. Dos. Bien fait. Un mouvement très propre. Il n'est peut-être pas aussi difficile que les autres, mais il n'y a pas grand-chose à enlever. Beau fouetté, belle sortie pour Éric Casimir. Et oui, double arrière tendu avec double vrille pour finir. Un seul lâcher de barre, effectivement, comme l'a précisé Éric Poujade à nos côtés. Le franchissement dorsal catch-up court tendu, nous allons peut-être apprécier tout cela. Alors, je vous dis tout de suite mon avis, je vous donne mon avis, je préfère Benjamin Varognan. Hein. Oui. Je pense quand même que Benjamin Varognan a un mouvement plus difficile et plus acrobatique qu'Éric Casimir. Et vous direz à Éric Casimir que la prochaine fois, il prenne un pantalon plus clair pour la télévision. Hein? Vous lui direz, ma part. D'accord. Parce que le bleu foncé, là, on voit...